passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour. Joli mot. Rendez-vous avec Juliette Gréco dans un hôtel parisien. Depuis 5 mois à 88 ans, elle a repris la route pour un dernier tour de chant d'un an, mais ne lui parlez surtout pas de tournée d'adieu. Adieu n'est pas le bon mot. Alors, qu'est-ce que c'est ? Merci. Merci de tout le bonheur que vous m'avez donné. Merci. Merci d'avoir fait de ma vie ce qu'elle est. Il faut partir debout. Il ne faut pas partir quand on ne peut plus. C'est une question de courtoisie, c'est une question d'orgueil aussi. De dignité. Trois petites notes de musique vont plier boutique. Juliette Gréco, 65 ans de carrière, interprète sublime de titres iconiques de la chanson française, de Ferré à Brel, en passant par Boris Vian ou encore Gainsbourg, et puis celui-là, culte. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Écrit en 1960 par Guy Béard, récemment disparu. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te réveille. Car Gréco, c'était il y a plus de 60 ans la muse des existentialistes à Saint-Germain-des-Prés. Elle devient le modèle de toute une génération. Les filles adoptent le look, pantalon et se maquillent comme elle. Plus tard, elle choisira le noir. Une question nous taraude depuis toujours, pourquoi ce noir ? J'ai appris ça au Japon. Au Japon, le noir est une couleur de protection. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu cacher mon corps. En scène, il y a quoi ? Il y a trois points blancs. Il n'y a pas de corps. Le corps, je le laisse à l'imagination de ceux qui sont là. Gréco, carrière de femme exceptionnelle dans un monde de mecs. Première fille à s'afficher avec un noir à l'époque, Miles Davis, qui faisait scandale aux États-Unis et en France. En France, heureusement, les choses étaient plus faciles, plus simples. On était deux jeunes, quasiment adolescents. Donc bon, ça n'intéressait pas grand monde. On n'avait pas d'argent, donc... On n'allait pas dans les restaurants, on n'allait pas dans les lieux où ça aurait pu être choquant. On était dans notre monde. Il y avait quand même un regard un peu choqué. Il y a toujours ça. Toujours. Ça perdure, c'est très curieux. Est-ce qu'elle sait pourquoi ce destin si singulier ? Moi, j'ai eu cette chance absolument extraordinaire d'être... protégée par des gens comme Sartre, comme Simone de Beauvoir, comme Camus, comme Merleau-Ponty, comme Boris Vian, comme, voilà. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je mourrais avec un point d'interrogation dans la tête, lourd comme un boulet de canon. Voilà, j'étais choisie. Allez, tournée oblige, on a voulu connaître ses secrets d'interprétation de trois de ses chansons cultes. Petit 1, La Javanaise de Serge Gainsbourg, 1963. En dansant la javanaise. On s'est bien battu pour cette chanson, qui n'a pas eu du tout de succès au départ. On l'a chantée partout, n'importe où. On est allé au combat jusqu'à ce que les gens comprennent. Parce que, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Au départ, les gens se sont demandé ce qu'on racontait, quoi. Moi, je me suis ramassé des pelles absolument célestes. Et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle un tube. Un mot que je déteste. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Petit 2, Déshabillez-moi, parole Robert Niel, 1967. J'ai arrêté de la chanter pendant presque 15 ans, au moins. Et puis je suis devenue très vieille. Je me suis dit, je vais m'amuser. Voilà. Je ne devrais pas. Je vais le faire. Ne me quitte pas. Et Petit 3, Ne me quitte pas de Brel, qu'elle reprend en 88. Ne me quitte pas, que quelques-uns me reprochent, bien sûr. Ils sont des bréliens fervents. Moi, je l'interprète en tant que femme. Je l'interprète pas comme une serpillière en train de sangloter. Ne me quitte pas, non. ne me quitte pas, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver, c'est ça. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, me quitte pas. Tous ces paroliers ont été des garçons, très peu de filles finalement. Pourquoi ? Aurait-elle pu reprendre des chansons de Barbara, par exemple ? Carla Bruni l'a bien fait récemment. Vraiment, quelle toupe, oui. On reprend un homme. Ça va. Moi, je peux chanter Brel, Brassens, Ferré. Non, on reprend pas Barbara. Barbara, mais c'est elle. Basta. Si vous voulez l'entendre, écoutez-la. Et quand vient le soir, le ciel flamboie, le rouge et le noir, ne se projette-t-il pas ? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.